En ce deuxième jour de la deuxième semaine, nous allons voir le psaume 32. Blessed is he whose unrighteousness is forgiven, and whose sin is covered. Blessed is the man unto whom the Lord imputeth no sin, and in whose spirit there is no guile. For while I held my tongue, my bones consume away through my daily complaining. For thy hand is heavy upon me day and night. My moisture is like the drought in summer. I will acknowledge my sin unto thee, and mine unrighteousness have I not hid. I said, I will confess my sins unto the Lord, and so thou forgavest the wickedness of my sin. For this shall every one that is godly make this prayer unto thee, in a time when thou mayest be found. But in the great water floods they shall not come nigh him. Thou art a place to hide me in. Thou shalt preserve me from trouble. Thou shalt compass me about with songs of deliverance. I will inform thee and teach thee in the way wherein thou shalt go, and I will guide thee with mine eye. Be not like to horse and mule which have no understanding, whose mouths must be held with bit and bridle, lest they fall upon thee. Great plagues remain for the ungodly, but whoso putteth his trust in the Lord, mercy embraceth him on every side. Be glad, O ye righteous, and rejoice in the Lord. And be joyful, all ye that are true of heart. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost. As it was in the beginning, is now, and ever shall be. World without end. Amen. Le psaume 32 transmet un message puissant sur l'importance du pardon, soulignant son pouvoir transformateur de nos vies de croyants. L'accent central pour comprendre ce psaume et l'accent mis sur la confession comme voie principale menant à l'état tant convoité du pardon. Il mentionne comment David, après sa confession et son acceptation du pardon de Dieu, baigne dans une paix indescriptible, sans nombre de culpabilités, et comment il proclame la protection, la direction et la joie qui résulte du pardon de Dieu. Le langage peut paraître poétique, mais le message frappe au cœur. Il existe des bénédictions liées à l'aveu d'un acte répréhensible et à l'acceptation de la clémence divine. David parle de telles bénédictions à partir
d'expériences personnelles, en gravant une image, en utilisant des mots qui frappent la plupart des auditeurs ou des lecteurs familiers avec le regret ou la honte liée à leurs propres méfaits. David utilise le terme « heureux » ici en référence au bonheur intérieur découlant de la réconciliation avec Dieu. David partage son expérience de recevoir le pardon de Dieu et encourage les autres à faire de même. Cela démontre que le pardon n'est pas seulement un concept abstrait, mais une réalité tangible qui apporte soulagement, joie et restauration. Il décrit le bonheur de voir nos transgressions pardonnées par Dieu. Il proclame que ceux et celles qui ont été pardonnés sont vraiment heureux, parce qu'ils ne portent plus le fardeau de leurs péchés. Cela met en évidence le pouvoir transformateur du pardon. Lorsque nous confessons nos péchés honnêtement et humblement, nous nous ouvrons à recevoir la miséricorde et la grâce de Dieu. Le pardon n'est pas seulement un concept intellectuel ou une idée théologique, c'est une partie essentielle de notre voyage vers l'expérience de la plénitude de la vie trouvée uniquement à travers le Christ. Acceptons l'importance du pardon dans nos vies et étendons-le aux autres, sachant qu'il s'agit d'une puissante force de guérison, de restauration et de transformation. Prions. Père, à l'exemple de David, aide-nous à reconnaître nos transgressions et fais-nous grâce de ta bénédiction. Enlève le poids de nos péchés de nos cœurs et donne-nous la paix. Une paix qui nous donne de vivre une vie sereine avec toi. Par Jésus, nous te prions. Amen. Piste de réflexion. Premièrement, quelle est pour vous l'importance de la confession et la nécessité d'être sensible aux conseils de Dieu? Deuxièmement, pensez à un moment où vous avez confessé une faute à Dieu et comment ce dernier vous a béni. Quel sentiment vous animez à cet instant précis?